Oui, la ville de Taverny recèle de formidables joyaux au niveau de son patrimoine qui sont fortement liés à son histoire et qui font très certainement son identité. Preuve en est encore cette petite chapelle de Lecciomo qui se trouve juste à la lisière de la forêt de Montmorency, à quelques pas du château de la Tuyole et non loin de l'église Notre-Dame de Taverny. Alors, le saviez-vous peut-être, c'est Madame de Paulalion qui remit dans le droit chemin des femmes aux petites vertus du quartier des Maltrais, et ces dernières, pour lui rendre hommage, décidèrent de faire construire cette petite chapelle. Alors, force est de constater que cette chapelle souffre du fait des ravages du temps dans sa pierre, aussi bien à l'extérieur et qu'à l'intérieur. Et nous avons la possibilité de nos jours de pouvoir admirer ce petit monument simple, mais c'est grâce à nos anciens qui ont su nous le retransmettre. Alors cette chapelle a fait l'objet d'une restauration, mais nous pouvons encore le voir, il faut préserver ce patrimoine soumis aux ravages du temps. Et avec Si Taverny m'était conté, c'est notre obligation de pouvoir retransmettre, de pouvoir sauvegarder, sauver ce patrimoine, cette histoire et cette identité de la ville. Alors, avec Si Taverny m'était conté, disons un grand oui massif à notre patrimoine.